Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien, surtout lorsque je me connecte et que je reçois un petit avertissement. Ça fait plaisir. Merci de respecter les règles. Enfin bref, vous connaissez les bails. On sait, j'ai rendu les gens inconfortables ou je les ai blessés. Bon, bats les steaks, frère. Et on va passer au sujet de la vidéo. Donc, bonjour tout le monde, c'est Quinzel. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Et nous sommes sur une vidéo de Movistar Planète. Merci à Jadina Jardin pour la salutation, merci beaucoup. Alors, sujet aujourd'hui de la vidéo, c'est un peu comme le début de la vidéo, c'est un sujet où Movistar Planète ont fait de la merde. Voilà. Et heureusement que c'est pas Madame Toilette qui a fait cette vidéo, parce qu'elle se serait fait un plaisir de le faire. Bref, alors, j'ai reçu des petits screens. Je vais vous montrer son profil. Voilà, donc on peut remercier Starlook65, donc autrement DW sur mes lives. Vous avez sûrement dû le voir dans les lives. Et du coup, en fait, il m'a envoyé des petits screens intéressants, enfin objets, non, c'est souvent des boonies ou des vêtements ou des coupes, enfin surtout des coupes, je crois, qu'ils ont été dans des packs et qui vous pouvez retrouver dans la boutique au jour d'aujourd'hui, notamment souvent en version VIP ou en version diamant, mais vous pouvez les retrouver et on va essayer de les retrouver un petit peu ensemble. Donc on peut remercier Starlook, c'est voilà, vidéo sponsorisée by Starlook. Et c'est parti, donc premier screen qui est celui-ci. En fait, c'est un pack qui avait été... le problème, c'est que je ne pourrais pas vous donner les dates. Je ne pourrais plus vous donner les dates des packs de quand c'était sur le jeu. Mais on peut remarquer ici que il y a le petit boonies là, le petit boonies asiatique. D'ailleurs, très joli pack. Très joli. Franchement, sur tout ça. Mais ça veut dire quoi? Qu'il y a deux coupes dans le pack? Il y avait deux coupes plus ça? Eh ben dis donc, ça fait beaucoup de choses hein, dans ce pack là. Mais en tout cas la robe elle est magnifique et surtout le chapeau rouge, franchement c'est très très beau. Et on va vérifier dans les boonies, dans la boutique boonies, pour le retrouver. Alors moi personnellement je ne savais pas que c'était un boonies de pack. Je suis peut-être tombée dessus, mais j'ai jamais fait le rapprochement en fait. Je vais checker ça tout de suite. Donc il est au prix de 3000 star coins. Ça devrait aider je pense. 3000 star coins. Est-ce que c'est celui-ci, 3000? Je ne suis pas sûre, je l'ai survolé tout à l'heure. On dirait que c'est celui-ci, mais il n'a pas les mêmes yeux. Vous avez remarqué les yeux? Est-ce que c'est celui-ci? Je pense que ça doit être celui-ci, avant son évolution. Parce que la coupe et le prix concordent. Par contre, ouais, et en plus, c'est même pas VIP, donc effectivement, ça doit être celui-ci. Confirmez-moi dans les commentaires si c'est bien celui-ci, mais du coup, je pense que du coup, ça va être celui-ci. Donc en plus il est même pas VIP, donc c'est encore plus du foutage de gueule. Parce que on est d'accord que quand t'achètes un pack, tu te dis que c'est des trucs rares que tu auras acheté dans le pack. Et que techniquement, même si c'est un an plus tard, normalement il est pas censé se retrouver dans la boutique. Voilà bon pour le premier exemple. Mais ce n'est pas fini parce qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Deuxième exemple qui est celui-ci, donc c'est également un pack. D'ailleurs, ces cheveux-là, je crois qu'on peut les recevoir quand on passe niveau 10 ou 15. Si on a de la chance, on peut tomber dessus. Et celui-ci vaut 1500 starcoins non VIP comme boonies et qui était dans un pack pareil, un pack un an. Par contre, pareil, je ne pourrais pas vous dire de quand il date. Je sais que c'est avant 2017 parce que j'ai commencé à jouer en 2017 et je ne me rappelle pas avoir vu ce pack. Et nous allons aller le retrouver dans la boutique. Donc pareil, vu que ça c'est l'évolution, je vais essayer de retrouver. On va essayer de retrouver ensemble. Mais en fait c'est celui-ci. Voilà, donc 2 secondes et c'est retrouvé. Donc ça doit être celui-ci à 1500 starcoins, ça concorde. Pareil, hein, c'est la petite évolution. Est-ce qu'on peut pas voir directement l'évolution? On peut pas le voir, c'est dommage. Mais voilà, vous voyez bien que c'est le même. Voilà, qui ressemble beaucoup et du coup c'est l'évolution, ça va être la même. Hein. Voilà, donc super, on adore. Alors est-ce que c'est normal que là on voit derrière que c'est plus long et si on ne le voit pas, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est du bon foutage de gueule. Troisième exemple, c'est celui-ci qui est donc pareil dans un pack. Celui-là pareil doit dater parce que je ne m'en rappelle plus. Et c'est 1500 star coins pour celui-ci. On va essayer de le retrouver, donc 1500 star coins. Par contre, il est un petit peu atypique celui-là. Est-ce qu'on va pouvoir le retrouver? Est-ce que c'en est un avec des cornes par hasard?
Ça doit être celui-ci. Je pense que ça doit être celui-ci. Ça doit être celui-ci, ça doit être son évolution. Ouais, ça doit être celui-ci. Hein. Ok, bon bah voilà, c'était le troisième exemple. Pareil, le pire c'est qu'en plus ce ne sont même pas des boonies VIP. Hein. C'est ça le pire encore. C'est que se dire, ils l'ont mis pas contre des diamants, ils l'ont pas mis comme étant quelque chose de VIP. En plus de ça, bah du coup il est accessible à tout le monde. Alors que ça se fait, il y a des gens dans le temps qu'ils avaient acheté, qu'ils avaient mis le prix fort pour l'acheter. Quatrième exemple qui est tout simplement le dragon rose à 35 diamants apparemment dans la boutique. Celui-ci ne doit pas non plus dater de ouf puisque celui-ci je l'ai énormément reçu en cadeau. Donc il ne doit pas dater de ouf, je crois que c'est 2017 celui-ci. À vérifier mais celui-ci du coup des diamants il me semble être là-dedans. Parce que c'est pas considéré comme un bounise en soi. Voilà donc il est juste là, on l'a retrouvé en 2-2. Bon celui-là au moins il vaut 35 diamants. En soi mettre des choses du pack dans la boutique contre des diamants, même si je trouve ça dommage pour que ça rend l'objet moins attrayant, moins rare, c'est un petit peu plus chiant. Mais au moins contre des diamants quoi, c'est la base quoi, c'est minimum. C'est le minimum. Mais voilà, bon ça c'est l'évolution, mais on remarque tout de suite que c'est bien celui-ci. Pour le cinquième exemple, nous avons le sort de Pégase. Et on va aller vérifier donc le Pégase, où est-ce qu'il est? Bah il est juste là, voilà. Pareil, c'est que des Star Coins, ce n'est pas un Boonies VIP, un Pet VIP. On va pas s'attarder dessus je pense, on va directement passer au suivant qui est la Tornade. Bon celui-là je vous demande même pas parce que c'est celui-là qui est dans la chambre de Madame Toilette, voilà. Elle en a mis partout Madame Toilette, mais là on peut remarquer qu'il y a le VIP, je vais peut-être juste vérifier pour le VIP. Donc en fait la Tornade c'est la goutte, c'est l'évolution de la goutte, c'est celle-ci. Donc celui-ci est bien VIP, bon c'est au moins c'est ça mais bon voilà. Hein. Et son évolution c'est bien la Tornade, je le sais parce que c'est celui de Madame Toilette. Voilà. Pour l'exemple suivant nous avons cette coupe. Donc je ne pense pas aller chercher dans les coupes puisque comment vous dire que c'est beaucoup, il y en a beaucoup plus que les boonies et du coup pour les retrouver ça va être un petit peu compliqué. Mais là dans le pack on peut remarquer que c'est exactement la même chose et je fais confiance à Starlook pour cela. Donc il a mis un petit message, là j'ai juste mis du bleu foncé à la place du noir, mais elles sont identiques. Effectivement on peut remarquer qu'il y a une petite nuance de bleu, mais effectivement si on aurait mis du noir ça aurait été exactement la même chose que celle du pack. Donc ça c'est encore pire parce que, encore un boonies, allez, je pense que, enfin moi quand j'achète un pack, d'ailleurs dites moi en commentaire si vous aussi, mais moi quand j'achète un pack, le boonies c'est pas la chose principale que je regarde quand j'achète le pack, c'est plus la coupe et le vêtement principal, c'est même pas l'objet, l'objet pareil, je m'en fous. Bien l'accessoire qui va avec, c'est vraiment les choses principales que je vérifie. Donc nous avons ça que vous pouvez retrouver dans les coupes. Juste après, nous avons cette coupe-ci, que celle-ci je l'ai reçue pas mal de fois. Donc celle-ci, c'est même pas contre des diamants, il faut juste avoir 500 Star Coins et être VIP. Les couleurs sont pas les mêmes car j'avais pas la coupe sous les yeux, mais les coupes sont pareilles, faut juste mettre les couleurs exactes. Voilà, merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'on voit ici les racines, donc effectivement, il faut juste changer les couleurs et on aura exactement les mêmes couleurs que ceux du pack. Pour l'exemple suivant, nous avons bah, la coupe Frozen, celle-là je la connais, on la voyait pas mal de fois. Effectivement, celle-ci, elle est dans la boutique contre 2500 Star Coins pour les personnes qui sont VIP. Et là, on peut remarquer que c'est identique, voilà. Foutage de gueule, on est d'accord. C'est vrai que là, mettre des choses du pack dans la boutique, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vraiment pas cool du tout. C'est vraiment dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais voilà, foutage de gueule, on est d'accord. Et le dernier que j'ai mis, ça, j'ai un petit peu moins compris, mais The Diamond Pack, on a eu le même pack avant Noël. Je m'en souviens plus. Alors, celui-ci, je ne suis pas... pas sûr de m'en rappeler, mais voilà, dites-moi en commentaire si vous avez compris. Est-ce que ça veut dire que, parce que ça on l'a eu pour Noël, on est d'accord qu'il y a eu un pack comme ça pour Noël avec les bottes là à ce Noël là et là 49$, ce serait un pack diamant. On a eu le même pack avant Noël, donc est-ce que genre ce pack là avait déjà été avant décembre 2018?
par exemple l'année d'avant ou genre il y a 2 ans, est-ce que ce pack il a déjà été proposé à un moment donné peut-être? Je pense qu'il doit parler de ça, mais vu que je suis pas sûre, je préfère mettre des parenthèses et vous laisser m'expliquer si vous avez compris ça. Mais en tout cas, voilà, donc ça c'est tous les exemples que Starbucks m'a envoyé. Je suis sûre qu'on peut en trouver d'autres, vu tout ce qu'il y a déjà. Ça, franchement, ça fait combien d'exemples? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Les gars, 10 bonnies coupes que vous pouvez retrouver dans la boutique. On est d'accord? Mais enfin bref, je trouve que c'est un petit peu abusé. Mais bon, voilà, c'était le but de la vidéo, de vous foutre le seum, surtout si c'était un pack que vous avez acheté. Je dis ça, pour l'instant, ça m'est pas encore arrivé, mais ça se fait d'ici quelques mois, quelques années, ils mettront le pack drip. Pour ceux qui se rappellent, le pack drip, c'était il y a même pas un mois. C'était celui juste avant, celui de la Saint-Valentin. S'ils le mettent, j'aurais bien le seum aussi, quoi. Enfin bon. Bon bah sur ce, je vous laisse. Si vous avez par contre des dossiers comme ça, comme Starlook m'a envoyé, n'hésitez pas à me contacter, voilà, sur Discord. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao, ciao.